if it's alright. Salut tout à toutes, c'est Striladon, donc j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Daira Mode 2.1. Donc oui, la nouvelle version est enfin disponible sur le site Daira.fr. Donc c'est une mise à jour qui règle tous les problèmes qu'on avait face au Daira Chat, etc. Au cap et au site. Donc toutes les caps, tout le site et tout le Daira Mode des chats, tout est opérationnel maintenant. Seul problème, c'est que du coup, il n'y a plus les teams. Mais franchement, il arrive à arriver dans une prochaine mise à jour avec une. On va refaire totalement les teams. Donc, ça sera sûrement la 2.2, sûrement. Voilà. Mais ce sera, il y aura pareil, c'est juste avec les teams en plus. Et pour l'instant, du coup, si vous voulez un peu. Comme j'ai enlevé les teams, comme j'ai enlevé quelque chose, j'ai voulu ajouter plus de trucs. Du coup, j'ai fixé tous les bugs et j'ai ajouté beaucoup de choses qui rendent le truc vraiment bien. Déjà, tout est changé niveau design. Donc, le design total du mode a changé. La façon dont ça fonctionne aussi. Donc déjà pour tout ce qui est le couleur et tout ça, le rainbow a changé. Donc c'est un rainbow en vague. Pour l'instant, je connais pas de mode français qui fait du rainbow comme ça. Donc voilà, bon, le premier mode français à avoir fait ça. Ensuite, dans le mode, on a les render tags. Donc les render tags, c'est comme vous avez vu dans la vidéo, au-dessus de ma tête, en fait, il y a des trucs. Apparemment, ils m'ont écrit créateur de Daira Mode. Et bien vous allez pouvoir mettre n'importe qui, même un mec que vous êtes en train de faire une game en face. Vous pouvez mettre un truc au-dessus, par exemple, je te haise. Et du coup, quand tu règles, il y aura marqué, par exemple, au-dessus de la tête du joueur, je te haise, ou la vôtre, même si vous voulez mettre un truc au-dessus de votre tête, vous pouvez. Donc voilà. Vous pouvez ajouter des trucs, des render tags. Et moi, de mon côté, je peux en mettre pour une personne et tout le monde peut l'avoir aussi. Donc il y aura aussi un système après pour gagner des render tags, pour gagner un titre officiel et tout le monde puisse le voir. Voilà. Parce que le render tag que vous mettez, personnellement, vous pouvez le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, là, c'était les render tags. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de plus? C'est surtout les menus ont changé. Sinon, après, quand je vais in-game, il y a quoi d'autre? On peut enlever maintenant le Daira Mode -2.1, en haut de la version, tout ça on peut l'enlever. Donc si vous voulez plus avoir écrit Daira Mode, vous pouvez l'enlever. Donc voilà, vous n'êtes plus obligé d'avoir. Ça c'est un petit truc cadeau. Un petit truc en plus cadeau qui sert un peu à rien, mais bon, c'est le waiting chat. En gros, c'est en bas quand vous marquez un message, il y aura un petit chronomètre qui part de 3 secondes et qui va à 0 et puis après qui s'enlève. En fait, c'est pour pas que vous spammiez en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça, tant qu'il y a le petit rond qui est là, ça sert à rien de marquer un message, parce que de toute façon le serveur va pas vous mettre. En fait, c'est juste pour. Et parce qu'en fait, des fois quand vous parlez vite, ça va marquer le message n'a pas pu être envoyé, c'est chiant. Du coup, j'ai mis un waiting chat. Du coup, vous savez quand vous pouvez parler. Donc, quand vous mettez un message, vous attendez que le petit rond parte et puis après vous pouvez parler. Mon pouvoir le désactiver aussi si vous voulez. Particule mode n'a pas changé, l'heure n'a pas changé. Maintenant, on peut désactiver et activer le TNT Gounder si on le veut. Voilà, bon, c'était pas trop. Voilà. Et aussi maintenant, votre Daira Chat Pro fonctionne à nouveau. Et aussi dans le tout ce qui dans le keystroke maintenant, vous pouvez mettre un contour. Donc, c'est un contour en fait que ça fait un genre. Enfin, ça met un contour en fait au-dessus. Enfin, sur le truc en fait. Donc voilà. C'est à peu près tout pour les nouveautés. C'est surtout une mise à jour stabilité pour que le cap et tout fonctionne. Parce que c'était le plus gros problème du Daira Mode. Et là, on va essayer de le tenir en route. On va essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Si jamais il y a un bug et autre, je ferai une autre mise à jour. Ça marquera un message de façon qu'il faudra une mise à jour. Donc voilà. Si vous voyez un message mise à jour, téléchargez sur le site et réinstallez-le. Sur ce, je vous dis. A très bientôt, c'était Striladon pour une nouvelle vidéo. Allez, bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this. Do it like, do it like, do it like, do it like this. Look at my click.